Regarde, regarde ces bulletins. Ces notes s'effondrent de jour en jour. Alors là, c'est à chute libre. Hein. Ouais, je pense qu'elle essaie, mais les capacités sont pas là. Ah bah c'est sûr. C'est pas terrible, hein. Salut, ça va? Ouais, ça va. Alors, conseil de classe, ils ont dit quoi sur moi? Ben, il y a encore une mise en garde travail, hein. Là, faut vraiment que tu te bouges. C'est facile à dire pour toi. T'es le meilleur de la classe. Ouais, mais moi, j'ai pas vraiment le choix, en fait. T'as pas mes darons H24 sur le dos. Et tu m'as saoulé, je vais en perdre. Je l'avais pas vu, viens. Hé, ça va? Ouais. Hé, fais pas la gueule. C'est pas toi qui as rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Ça va. Toi, ton avenir, il est déjà tout tracé, hein. Et pourquoi ça? Bah, je vais finir avocate ou un truc comme ça. Mais pourquoi je ferais ces métiers-là? Bah, je sais pas, moi. Regarde tes notes. Vous me saoulez tous avec ça, là. Hey, non, pas du tout. Tu vas pas nous la faire à l'envers deux fois de suite. Demi-tour, et tu vas à ton rendez-vous. Allez. Avec tes résultats scolaires, tu ne peux pas choisir une carrière artistique, tu en es consciente. Mais c'est ce que j'ai envie de faire. Mais tes notes sont excellentes. Tu crois vraiment que tes parents ils vont te suivre dans ce choix? Je ne pense pas. Pourquoi pas médecine?